Et bonjour à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, les vieux titres. Aujourd'hui les gars, on respecte la loi pendant 24 heures sur GTA 5 Online. Et oui les gars, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ouais, il est 10h, parfait, on est le matin. Et on va faire une vidéo finalement où on va respecter la loi. Enfin je vais faire, enfin je vais, voilà, vous regardez et vous mettez un pouce bleu et vous abonnez. Sympathiquement, voilà, avec tout le respect, toujours avec tout le respect finalement. Non mais c'est vrai que dans la dernière vidéo j'avais pas vraiment de but, j'avais juste essayé de respecter la loi et j'avais pas trouvé chier quoi, t'as capté. Aujourd'hui c'est simple, on a des défis, enfin un défi, on va aller à la plage, au magasin et acheter une arme. Bon, aux États-Unis c'est légal, j'ai envie de te dire. Donc acheter une arme aux États-Unis, bellec. Et en tout cas, bellec ça veut rien dire. Ça veut dire attention, je suis un connard. Je suis genre de fils de pute qui dit des mots qu'il connaît pas juste pour faire stylé, nique ta mère à un moment. Bref, on est parti avec mon véhicule électrique. Je savais même pas qu'il était électrique, mais c'est pas très grave. Ah oui, et aussi, parce que là je vois des gens là, tu vois, je vois un mec en Batmobile là. Si les gens me tuent, y a riposte. Voilà, voilà, c'est mes propres règles aussi. Voilà, c'est les lois Pierre-Alex, les lois GTA, mais on respecte. Allez, c'est parti. Première, on va à la plage. Voilà. Parce que finalement, c'est vrai que la dernière vidéo, j'avais pas vraiment de but. Et c'était juste, on fait des tours et on voit un peu ce qui se passe. Là, on va essayer quand même d'avoir une ligne de conduite. Et bien sûr, quand on voit des gens, bah après lui, il se casse donc ça sert à rien. Oh, tu vois, regarde, si on voit des mecs comme lui, il fait la course. Alors là, vas-y, quand tu veux. Et faire la course ou quoi là? Dès que c'est vert, dès que c'est vert. Merde. Ah merde, je me suis fait brain. Mais d'où la voiture jaune allait aller? Oh, je me suis fait brain. Bon, bah c'est vert quand même. Oh là là, atroce. Bon, j'ai rien compris, c'est pas grave. Attends, on respecte pas là. La plage elle est en face, normalement. Ouais, ouais, par contre, si on se tape tous les feux rouges, la vidéo va être très longue. Putain, mais y'a son pote ou quoi? Mais ils sont tous là ou quoi là? Oh! Ah, 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 j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Quand y'a tir, y'a riposte. On va se calmer les gars. Putain, on peut même pas. Oh, j'appelle la police. J'appelle le mec trop premier degré. Trop premier degré, j'appelle la police. On va se calmer un petit peu. Voilà, encore le feu rouge, mais c'est atroce. Wesh. Ah mais y'en a. Ah. Bah si le feu est tombé, je peux y aller. Voilà, je peux y aller. Ah voilà, et au code, j'ai appris qu'il fallait faire attention aux individus et surtout qu'on en a batté des couilles des trucs. Fallait faire attention, fallait s'arrêter, hein, je me rappelle de mon moniteur. Bah là, c'est que un stop là, donc je peux y aller quand c'est bon. Comment je fais là? Hop, gauche. Je reviens à gauche. Priorité normalement. Ah, c'était vert, hein. Oui, c'était vert. Oh! C'est vert pour lui? C'est. Wesh! Mais la voiture de flic, elle m'a coupé le. Ouais, mais c'est une folie! Non mais même les mecs, même les flics du jeu ne respectent pas la loi, c'est atroce. Non mais excusez-moi, il y avait vert pour moi, je vérifiais juste dans le doute, mais... Et tout ça pour pas avancer après, t'imagines, ils te coupent la priorité pour les mecs pour pas avancer. On va voir que c'est un peu réaliste, hein. C'est vrai que dans la vraie vie, les mecs te coupent, pour au final, après, tu les retrouves 10 mètres plus loin et ils avancent pas, quoi. Donc vraiment, frérot, t'as voulu gagner du temps en me doublant, en faisant tout ce que tu veux, pour finalement que ce soit au même endroit. Mais ça, c'est plus tard, ça c'est vraiment la conduite de France. La plage, on va aller à gauche quand même. Oh wesh, il y a un avion. Ah ouais, là c'est vraiment GTA. Ah ça c'est GTA que je kiffe, hein. Ah frère, on va pas se mentir que là c'est vraiment... C'est vraiment du GTA comme on aime, hein. Mais non, c'est réel, qu'est-ce qu'ils foutent là? Merde, on se casse. Hop, 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 hop. C'est moi, bonjour. Ah bah bon, on se gare. Ah, il y a un parking. Wow. Wow. Attends, mais déjà, il y a une bataille navale là. Ouh, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 il se l'est prise, hein. Il se l'est prise. Par qui d'ailleurs? Par un mec au sol? Peut-être. Ah, on l'a vu, hein, on l'a vu. Bon, on va respecter quand même le parking. On va se garer où? Avec tout le respect, évidemment, comme à chaque fois. Oh, on va se calmer. On va se garer là, non? On va se garer là, tranquillement. Hop, hop. Voilà. Merde. Voilà. Nickel, non? Enfin... Ça va quoi? Je suis garé. Bon, on va à la plage. On y est finalement ou on doit rester 40 ans? C'est vrai que j'ai pas prévu ça. Il y a marqué quoi là? Welcome to the beach. J'espère que j'ai bien dit, sinon ça veut vraiment dire S-A-L-O-P-E. Los Santos, country département. Ok, ok. On doit pas. Alors, on va respecter, hein. On ne doit pas boire du vin ni de l'alcool en canette. D'accord. C'est vrai qu'il y a de l'alcool en canette chez eux. Putain, c'est atroce, hein. Doit pas avoir de chien. Personnellement. Ah! Non, non, allez. Personne n'a un chien. Pourquoi ils courent tous là? Oh! Attends, mais il y a toujours l'avion de chasse en dessus là? Non. On ne doit pas faire quoi? On ne doit pas faire un feu de camp.
Alors ça, le soir, les gars, je suis désolé, mais on en voit tout le temps. Pas faire de tente. Pas faire de quoi? De pooling? Attends, mais frérot. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas. De la cigarette? On sait rien. Pas faire du cheval. Alors ça tombe bien, dans le jeu, on peut pas faire de... Oh! Et j'ai l'impression que ça devient beaucoup trop insécuritaire ici. Donc vous savez quoi? On va directement passer à l'étape numéro 2. On va aller chercher une putain d'arme. Allez, c'est parti, on va aller chercher une arme. Alors il y avait le magasin aussi. On ira après. D'abord, on va chercher une arme. Donc là, comme toute personne normale, GPS. Ah bah, il y a une arme juste là. Ouais, mais après, là, on bouge pas. Là, vraiment, on se fait pas chier. On revient là où on était. Non, c'est pas drôle. Attends, ils sont où les autres là? Attends, on va faire ça. Bon, peut-être un peu haut, peut-être un peu. Ah, ouais, mais il y a moins de gens. C'est pas drôle. Le but, c'est de rencontrer des gens, quoi. Ouais, bah je m'emmenais un peu en bas. Voilà, mais il y a du monde sur la plage là, non? Bon, vous savez quoi, hop, c'est un parking après tout, qui le respecte dans la vraie vie. Il y a des plots, on respecte les plots, c'est bon, il y a personne. On y va. Ah, il y a une personne sur la route. Monsieur, vous êtes... Ah, par contre, moi je vais aller à la gauche dans tous les cas. Klaxonne parce que voilà, faut prévenir les automobilistes derrière, j'arrive pas à parler. Oui, on avance un petit peu, hein, je roule, mais en même temps, voilà, on fait comme les kékés sur l'autoroute. En plus, si après je dis kéké, le mec a une électrique, donc finalement. Ah, je double par la droite. En même temps, aux États-Unis, il y a le droit, je crois. Et oui, aux États-Unis, je crois qu'il y a le droit de doubler par la droite. À minimum, prendre, hein, mais je crois qu'on peut, quoi. Ça se trouve vraiment, c'est faux, mais je crois qu'on peut. Bonjour. C'est vrai qu'il s'avance pas. Après, attends, je suis à combien là? Je suis à 60 km/h. Ah non, 60 miles. Ça correspond à quoi? Je sais pas. Oh wow, c'est à gauche! Aïe, accident. Ah, on a rien à foutre, elle se casse. Ah bah parfait, pour le constat, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ah vraiment, là, si on faisait comme dans la vraie vie, ça serait fou. J'espère, enfin, sur GTA 6. En fait, non, je sais pas si ça doit être plus réaliste que ça. Il faut que ça reste quand même arcade, mais bon, on a le feu rouge, on va respecter. Il faut que ça reste arcade, mais c'est vrai que dans GTA 6, en fait, ils devraient faire des trucs, en tout cas en mode histoire. Ou genre, tu fais un accident, la meuf sort et veut écrire un truc. Après, je sais pas comment il peut faire ça, mais vraiment un truc hyper réaliste. Je pense que GTA, c'est là où ça doit aller. Parce que tous les jeux maintenant aujourd'hui sont très réalistes. Il faut jouer sur le fait que c'est un monde ouvert et que c'est comme dans la vraie vie, quoi. Bah non, du coup non, parce que c'est un jeu de base, tu tires sur les gens. Donc tu vois, faut jouer sur la limite, quoi. Bon, Ah, t'as vu, Ren, il y a un bouton pour passer. Oh! Mais c'est une... Oh, c'est une folie de pas attendre 2 secondes. C'est une folie de pas attendre 2 secondes, frère. Pourquoi on se galerait là d'ailleurs? Je ne sais pas. Ah, priorité maintenant, merde. C'est bon. Ah, une voiture derrière. Bonjour. Ah, mais c'est encore lui. Allez, je t'attends. Ah, bah après, il me fume, mais frérot, moi j'ai pas une voiture de course. Hein. J'ai pas une voiture de course. Hein. Ah, la vidéo s'est arrêtée là. Il a plus. Oh, merde. Il a freiné, c'est peut-être bien. Ah, merde. Ah, lui, il vit pour ça. Lui, il a vécu son moment pour ça, frère. Bon, allez, je t'aime bien, mais moi je me casse. Le mec s'est barré. Le mec n'a pas compris que j'avais perdu. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, est-ce que j'ai pris ça pour une course? Non. Sinon, j'aurais pris quoi? C'est quoi la voiture la plus rapide du jeu là? Ah, bah c'est la Striker TT. Voilà, lui aussi, il l'aurait peut-être prise. Wesh! Oh, elle survit. Mais j'ai survécu? Attends, mais la voiture elle est blindée? Incroyable! Ah, attends, calme-toi, PNJ là. Oh! Par contre, c'est une folie de vouloir détruire. Non. Regarde, je vais me cacher là. Il pourra pas le faire. Et non, ça le merde. T'es qu'une sale merde. Ah oui, alors j'ai dit si on me tuait, droit de riposte. Après, droit de riposte quand on a 20 chasses, quand t'es en Audi, compliqué. Ah merde, il est là lui. Non, casse-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il est fou lui. Il veut rentrer dans mon véhicule là. Attends, ah, par contre, incroyable. Bon, attends, merde. C'est pour ça qu'il faut. Wesh, mais il y a un mec en bogolfière. Mais c'est quoi cette session de malade? Non, mais premier degré, c'est quoi cette session de barjo là? Je peux aller, hein, ouais, je peux aller, je crois. Hop, stop. Je regarde à gauche. Il y a encore lui. Je laisse passer. On y va. Allez. La session de barjo, frère. Il veut faire comme là. Oh. Oh. Ah, voilà, il n'y a plus d'effort. Il n'y a même plus d'effort de droit de 1 là. Il n'y a même plus d'effort. Bon, on va se calmer. On va se remettre là. Merde, mon ordi qui s'éteint. Non. Voilà, il est quelle heure? Ça fait pas la journée c'est jusqu'à ce soir. On se calme, mais non, mais la vidéo a aucun sens. On respecte la loi, mon cul, y a rien. Y a aucune loi à respecter là. C'est vert ou quoi? Merde, c'était vert. On y va, c'était vert. Ah oui, non, c'était vert, j'ai pas vu. Déjà que le feu vert dure 10 secondes.
Ah mais il va me dépasser. Il me dépasse même pas. Ah si, si j'allais dire. Il me pousse carrément. Carrément, merde, carrément il me pousse. Oh, je vais aller voir la police. Regardez, je vais aller voir la police. La police. Il est pas là. Mais frère, pourquoi il y a un mec là? Attends, on va se garer. Voilà, on va respecter un minimum. Ah, c'est lui! Ah, my bad. Ok, je comprends pas. Bon, moi je vais quand même aller chercher une arme. C'était ça le but à la base de la vidéo. Faut que j'ai une ligne de conduite, sinon ça sert à rien. Le concept t'as plus d'intérêt quoi. Oh, je te laisse tout seul. Voilà, je roule à combien? À 30. Voilà, je roule à 30. Bon, je doute que ce soit 30 miles, ça soit 30 km/h, je doute. Mais on roule à 30. De base, c'est 50 ici, mais je pense que 30 miles, c'est 50 km/h, tu vois. Je pense. Facile. Allez, avance. Toi, regarde, voilà, je le fais chier. Voilà, nickel, comme ça je vais être premier. Oh, je suis un camion. Pardon, camion. Bonjour. Voilà, c'est moi. Mais c'est... Il y a un mec qui klaxonne derrière, là. Il me klaxonne derrière. Mais c'est pas... c'est rouge. Ah bah, j'ai fait la même chose. Oh, est-ce qu'on irait pas chercher de l'essence? Oh non, un peu trop RP, là. Un peu trop RP. La mec a oublié que c'était une session normale. Ah oui, mais de toute façon, l'essence, c'est vraiment là. Bon, bah, on va y aller. Frère, c'est rouge. Non, mais c'est une folie de que ça dure vraiment. En fait, le jeu n'est pas fait pour que tu joues au premier degré. Parce que rien n'est fait pour t'aider à jouer au premier degré, quoi. Est-ce qu'il y a. Amination, est-ce qu'il y a un parking? C'est pas vraiment un parking, ça. Donc, je suis obligé de me garer. Attends, est-ce que je peux me garer là-bas? Ou dans la vraie vie, j'irai pas. Ah là, là, c'est des endroits louches. Très, très louches. Over louches. Toi, à une belle Audi comme ça, bien, bien cassée, on va pas là. Hop, on va aller juste au-dessus. On va se garer à côté de elle. Hop, bonjour monsieur. Nickel. Layer, il s'appelle. Ah, bon, ah, pourquoi pas, hein, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais voilà. Allez, on y va. Petite arme, bon, de toute façon, normalement, j'ai toutes les armes. Là, premier degré, je vais revoir parce que je crois que normalement, j'ai tout. Hein. Je dis ça pour le principe, mais. Ouais, vraiment, j'ai tout. Alors, on va regarder juste si j'ai toutes les balles, mais ouais. Voilà, faut être aussi premier degré à un moment. Ouais, non, j'ai tout. Hein. Puis, comme je me bats très peu en plus, ça va être des balles explosives que je prends surtout. Bon, j'ai acheté des balles, c'est déjà bien. Et un gilet pare-balles. Important. Ah, c'est ultra léger. J'ai peut-être pas acheté le meilleur là. Attends. Ma mère, pourquoi je suis plein? Mais non, je suis pas plein. Oh putain, un truc qui sert à rien. Ok, chaussures, ouais, on s'en fout. Ah oui, mais en plus, je suis en militaire en plus. Ah ouais, atroce. Non, bon, on peut même pas prendre. Bon, allez, on se casse. Et là, c'était quoi là le but? Y'a plus de but là, si? Ah, je vais aller au magasin. Allez, on va aller au magasin. Allez, allez, on va aller au magasin. Voilà, j'ai vérifié qu'il y avait personne sur la route, évidemment. Évidemment. Magasin. Alors, magasin, c'est vrai magasin. Ah ouais, c'est là, bah, c'est là, un peu près, je crois. Ah non, il est là. Ah, il y a un mec en plus. Ah, mais c'est moins drôle. Pour le bien de tout le monde, on va quand même pas faire les rats et on va aller au magasin qui est là. Remarque qu'il y a personne, en tous les cas. Il me faire chier pour rien. Ouais, mais je suis quand même allé là. Allez, le mec qui hésite 40 ans. Fif. Oh là là, fif. Five hours later. Vous avez vu, je dis bien. Hein. Merde, c'est vert. Pardon. Je faisais autre chose. Parce que là, j'aimerais voir que d'autres. C'est nul à expliquer de toute façon. Allez, go. On y va. On avance un petit peu. Tout... Wesh, attends, il vole lui. Voilà. Voilà, le jeu commence à devenir magique. Atroce. Faudra me dire, hein, si le jeu est magique. Ouais. Y'a personne dedans en plus. Y'a personne dedans. Mais GTA. Mais vivement que vous sortez GTA 6, tu m'étonnes. Ouais, ah, nickel, c'est vert. Ça, j'aime beaucoup. Là, tu m'étonnes, frère. Faut faire un truc là. Le jeu reste beau, hein, mais putain, des fois, tu te demandes quand même. Comment ils font pour rester sur le frein à main? Enfin, non, ils restent pas sur le frein à main. Mais tu sais, eux, t'as vu, ils sont encore sur le frein. Moi, le frein, je peux pas le tenir parce que sinon... Ouais, tu vois, c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment les dilemmes de merde. Hop, je me casse. Je pense sur PC, tu peux le faire, mais ouais, sur manette... Oh, c'est vert, hein. Oh, c'était vert. C'était vert, hop. Je me déporte à gauche. Non, encore à gauche. Toujours à gauche. Pas dans la vraie vie, par contre. Hein. Putain, pas en politique. Hein. Ça, c'est clair que je veux pas aller à gauche en politique. Ça, c'est plus tard. En même temps, qu'est-ce que la droite, il est à gauche?
En soi, le feu, est-ce qu'il me parle, le feu? Il parle pas à moi, il parle à la bande d'à côté. Allez! Allez, allez, allez! Vous savez quoi? Et pour le final, on va appeler la police. Parce que on est sur le TA et vu tout ce que j'ai vu, faut que je leur raconte ce qui s'est passé. Alors là, on va se passer là. Alors, on va se casser. Hop, bonjour. On va te faire foutre. Ah, oh, un petit parking. Oh, bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je me gare là-dedans? Parfait. Allez, c'est une place de parking. Ah oui, bah du coup. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, compliqué. Hein. Bon. Compliqué. Je vais me garer à côté. Ah bah là, pareil. Hein. Pareil. Hein. Pareil, bien louche. Hein. Bien louche l'endroit. Hein. C'est fait exprès ça. Allez, c'est fait exprès. Pas du tout. C'est vraiment pour les camionneurs, mais c'est pas grave. Allez. Aïe, aïe, aïe. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on va acheter finalement? Bah des encas. Des encas. Faut toujours acheter des encas de toute façon. En vrai, valeur sûre. Chose qui maintenant, en vrai, premier degré, c'est gratuit quand vous allez dans vos trucs. Mais on s'en bat les couilles, ça coûte. Mais il est pas là. Mais c'est quoi cette session? C'est quoi cette vidéo de connard là que je fais? C'est quoi ce concept de con? Wesh! Non mais ça y est! Non mais c'est quoi cette. En plus, tout est plein. Gros! Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour avoir des trucs de cul là-haut en plus. Regarde-moi ça! Non, là-haut, tout ça pour avoir des trucs de cul. Mais arrête d'avoir peur, je te vise pas toi. Oh là là. Bon, paye-moi si tu veux, j'ai déjà 2 étoiles. Ah merde! Ah bah je voulais appeler les flics. Merde, pourquoi j'ai elle? Bah... Ah c'est une flic en civil? Attends, c'est nouveau ça non? Attends, c'est nouveau de ouf en vrai non? Depuis quand il y a ça? Depuis quand il y a des meufs qui font ça? Ou des mecs hein mais... Bah voilà, mais j'avais même pas sorti mon arme en plus. Ah oh là là. Bon les gars, on aura essayé mais c'est encore très bon laborieux ce jeu. N'est pas fait pour survivre à la loi, j'ai dire pour respecter la loi. Mais en tout cas, on se sera amusé. Je sais pas c'est quoi cette session de con que j'ai eu. Après de toute façon, il va faire nuit, c'est moins drôle la nuit. De toute façon, c'est pareil. Les gens que j'ai croisés tout à l'heure étaient quand même très très louches, je sais même pas où ils sont. Je sais pas, ils ont dû partir. Mais en tout cas, sympathique. Ah, c'est toi qui gueule là? T'as un problème? Do you speak with me? Tu vois, par exemple, un truc quand j'étais à 6, un truc de con, pourquoi ils sont tout le temps tout seuls en voiture? Pourquoi ce serait pas une famille? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ils devraient faire plus de personnes en voiture. Enfin, des fois, il y en a 2, je suis d'accord. Mais il n'y en a jamais 3, 4. Enfin, faites une famille, quoi, je sais pas. Bref, en tout cas, enfin, faites des trucs réalistes. Voilà, finalement, est-ce que je suis un développeur? Non, mais est-ce que j'ouvre ma gueule? Oui, quand même. Bon, en tout cas, les gars, c'est tout pour moi. Voilà, sur cette belle maison près de Franklin. D'ailleurs, Franklin, mais il est là, d'ailleurs. Attends, Franklin, oui, il est là. Ça doit être là, Franklin. C'est là. Devant Franklin, magnifique. On peut pas y aller, mais on peut quand même, pour le principe, dire bonjour. Bonjour Franklin. Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine, que des bonnes choses, et ciao.